Bonjour, voici les principaux muscles utilisés en tant que back et comment les travailler à la maison. Les principaux muscles travaillés en tant que back sont les trapèzes et les abdominaux. Premier exercice pour travailler les trapèzes, les épaules, c'est une poussée des épaules vers le haut. Donc pour réaliser l'exercice, ça va prendre des poids. On peut remplacer les poids par un sac à dos avec des charges à l'intérieur, ça se fait aussi très bien. Donc les poids sont placés au niveau des épaules. Les pieds, la largeur des hanches. On va demander une légère flexion des genoux. Dos droit, abdominaux contractés. Et on va pousser les poids au-dessus de la tête. Et on fait cela pour 15 répétitions. Deuxième exercice encore pour travailler les trapèzes et les épaules. Il s'agit d'un tirage. Encore une fois, on va placer les pieds, la largeur des hanches. Les poids ou le sac à dos devant soi vis-à-vis les cuisses. Et on va tirer la charge jusqu'au-dessous du menton. Très important d'avoir les abdominaux contractés, le dos bien droit et une légère flexion des genoux pour ne pas se blesser au dos. On fait 15 répétitions du tirage. Troisième exercice pour travailler les abdominaux, il s'agit d'une planche abdominale sur trois appuis. Donc la planche, on va s'appuyer sur les coudes collés le long du corps et les jambes allongées, contracte les abdos et les muscles fessiers, mais on va décoller un pied du sol. On va tenir entre 20 et 30 secondes selon votre capacité. Après le 20 à 30 secondes, on change de pied, on tient encore 20 à 30 secondes, on s'assure de ne pas lever trop le bassin ou de trop descendre le bassin. On veut vraiment être en ligne droite avec les épaules. Pour bien travailler et améliorer l'endurance de ces muscles, il faut faire les exercices trois fois. Nous avons vu les principaux muscles utilisés en tant que back et comment les travailler à la maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur nos réseaux sociaux à Centre Coyote.